Crépissage des murs, pose de tuiles. Les logements du personnel de la Banque africaine de développement et ceux des agents du Trésor public de Côte d'Ivoire sont en voie d'achèvement à Abata, dans la commune de Benjaville. Plus de 35 milliards de francs CFA sont investis par le Syndicat national des agents du Trésor public de Côte d'Ivoire pour la construction de 828 appartements, dont 368 réservés aux membres du Sénat Trésor et 460 pour abriter le personnel de la BAD à Abidjan. Déjà 130 duplex sont en finition. Ils vont être remis aux souscripteurs le 31 décembre prochain, selon le chef du chantier. Il y a en tout 282 duplex et 45,5 immeubles à construire. Nous sommes à environ 60% au niveau de l'exécution des travaux. Et vous voyez, les travaux continuent. Il y a même des travaux de nuit qui sont faits pour accélérer un peu le délai de livraison. Vous voyez ici sont les villas 5 pièces duplex qui font partie du lot des logements à livrer à la fin de décembre 2013. Bonne nouvelle pour les responsables du Sénat Trésor, occasion donc de rassurer les bénéficiaires des dispositions prises pour le respect du délai de livraison de leur maison. Dans les jours à venir, chaque souscripteur aura l'information sur le numéro de son bâtiment, la situation géographique de son bâtiment, l'état d'avancement des travaux de son bâtiment, mais pour le moment en ce qui concerne les maisons et les VRD pour permettre le logement des agents du Trésor public et ceux de la BAD, ce projet est sorti des terres. La fin des travaux est fixée au 30 juin 2014. Ouvriers et maçons travaillent jour et nuit pour honorer ce rendez-vous.